Incroyable, incroyable, mais vrai. Bon. Bonjour à tous, hein. C'est Riffelgott. Aujourd'hui, il y a Eclectic Wizard, hein. Incroyable. Bonjour à personne, vu qu'il n'y a que nous, en fait, pour le moment. C'est pas grave, de toute façon, il y aura une rediff. Hein. Bon, bah, incroyable, on a fini le disque 1 de Harmony of Heroes, hein. Of Hunter, que je raconte. Comme ça, la prochaine fois, on mettra le disque 2. Bon, bah, on va reprendre, hein. Castlevania Portrait of Ruin, évidemment. Alors, moi, je suis venu ici, pas dans un but de commenter, mais uniquement de me moquer, hein, en fait. Oui, mais ça, c'est normal. En même temps, c'est ce que je fais le mieux. Il est vrai. Donc tout à l'heure, justement, je débattais du concept du vampire qui part dans le désert, parce que je trouve quand même l'idée assez intéressante, hein, pour une créature donc qui craint le soleil, partir dans un endroit où il n'y a que du soleil et de la chaleur. Moi, je dis, c'est une grande idée. Bah oui, hein. Ça va à l'encontre de tout ce que le darwinisme nous a appris. Ouais, ouais, ouais. Évidemment. Bon. Où est-ce qu'il faut aller de nouveau? Je ne sais pas. Bon, on va voir, on va piffer. Je ne sais pas. On s'en fout, on est là pour piffer. Ah, j'adore les environnements avec du sable, hein, bien sûr. Quoi? Ça ressemble à un boss. Non, même pas. Hop, 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 hop. Quoi? Merde. Quand même. Vraiment, je suis quasiment mort. Loul. Oui, hein, c'est bien. Bon, tant pis, hein. On va tenter de poursuivre, mais bon, je pense que je vais mourir. Ah bah oui, non, mais surtout s'il y a Monsieur Ridley, Ridley Scott. Oh putain. Oh merde. Oh merde. J'aime bien quand t'es content. Ouais, bon, de toute façon, voilà, on est mort, parce que c'est n'importe quoi. Alors, tu ne me mets pas dans l'eau, hein, tu es mort. Ouais, bon. Ça commence bien, hein, visiblement. Loul, fallait bien commencer par une mort. Faut bien commencer quelque part, hein. C'est pas grave. Attends, on va pousser en ce moment dans l'endroit, comme ça, paf. Qu'est-ce que... Loul! N'importe quoi! Ok. J'ai apprécié cet instant, hein, bien sûr. Bon, on va essayer de battre l'autre con sans se faire poutrer complètement. Alors moi je doute que ça soit très efficace. Hein. Merde, mais putain! What? Ah ok, d'accord. Ah
Bravo, hein. Sauf qu'on a plus qu'un point de vie. Oh ouais, je peux. Tiens, juste vérifie quand même qu'il n'y ait pas un bug, nous, sur notre fenêtre de chat. Parce que tu sais, des fois, ça n'arrive. Non, non, il y a bel et bien personne. C'est pas grave, de toute façon j'ai envie de jouer. Moi, donc... moi mon but c'est pas de faire un stream, c'est de jouer. J'ai envie de te dire. Putain, enculé, va. Putain, mais ils sont horribles. Bon, j'essaye encore une fois de battre l'autre dingue, et puis si on n'arrive pas, bon, on va ailleurs, hein. Je crois que c'est une bonne idée. Bon, on a réussi, je crois. Bon, on va l'essayer quand même. S'il rapporte beaucoup d'XP, on peut tenir. Ah oh putain, c'est vrai, j'ai un double saut, mais quel con. Vas-y. Comment veux-tu? C'est quoi qui la drop? Un Kalaziris, mais bien sûr! On sait tous ce que c'est! Non, c'est pas une arme. Un Kalaziris, à ton avis, c'est quoi ce truc? Attends, ah, c'est... Smoking? Smoking Everyday? Oh! 10 de plus en défense! What? Donc c'est un vêtement maintenant, on le saura. Hein. C'est un vêtement pété en plus. C'est une tunique de noble en Égypte, voilà. Ouais, ouais, bah, très bien. Bah, moi je veux bien être noble, hein, si c'est pour avoir 10 de défense en plus. Hein. Boule. Mais en fait la musique elle se ralentit à chaque fois dans la salle de save. Ouais, t'as raison, c'est ce, que j'ai... c'est ce que j'étais en train de me dire, mais vu que j'étais en train de me réhydrater, je n'ai pas pu faire cette réflexion. En esquivant tous les maboules. Enculé! Pourquoi il s'est enterré cet abruti? Je crois que le but en fait c'est de te faire chier. Ah bah non, c'est bon. Putain, j'avoue, j'ai perdu peu de vie, hein. Mais vas-y. Fantôme pourri là. Alors je vais pouvoir battre Ridley avec tout ça.
On va attendre que notre mana remonte, hein, évidemment, pour faire la technique moldave. Par contre, ça me fait très bizarre de voir une barre de mana verte et une barre de vie rouge. Bah pourquoi? Bah non, la mana c'est toujours vert. Mais dans Zelda, dans Wind Waker. Ouais, non, je sais pas, moi je te parle d'autres MMO. En fait, la barre de vie est rouge et la mana de manière générale c'est bleu ou vert. En fait, dans tous les MMO et dans pratiquement tous les RPG aussi. Bah c'est le cas là aussi. Hein? On s'en fout, y a personne qui écoute! Je dis de la merde parce que je suis fatigué. Oui, oui. Oh, putain, qu'est-ce que c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai eu. Incroyable, bravo. Bravo, hein, franchement, bravo. Putain, mais c'est quoi ces momies pourries qui apparaissent à l'infini? Masque de pierre. Oui. Visiblement le... Visiblement on peut pas l'utiliser, mais de toute façon ça fait baisser les stats, donc c'est nul. Enfin, peut-être pour elle. Mais elle l'a déjà. Ah non, c'est masque de pierre. On s'en fout. Règle numéro 1, vaut mieux s'en foutre. Il a sur moi un masque pierre, oui. C'est peut-être le masque qui appartient à Pierre. C'est vrai. Bien sûr. Ah bah oui, mais il est là en fait. Oui. Alors ça fait tout baisser, donc c'est du caca. Voilà. Même à elle. À Charlotte. Ouais. Je sais pas. Elle peut pas. Donc bon bah voilà. Elle a pas le droit au masque de pierre. C'est triste, hein. C'est lui, c'est Skims. À peu près, ouais. Oh putain, alors. Oh, je l'ai eu. Miracle. On prend cher, hein. Ça va? Moi, ouais. Il tire du feu. Moi, j'ai tout mon temps, hein, tu sais. Moi je m'en fous, hein, je suis pas un speedrunner, je suis un joueur de merde. Ah bonjour Manchot, bonjour. Manchot, coucou. Ah PV Max Plus, t'es sérieux? Sauf que ça nous restaure pas là en fait. Ah bah mince. Ça va bien Manchot. J'ai limite envie de retourner save en fait. Ah bah non, mais je vais me retaper les autres. Mais putain. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Bon, on va tous les esquiver, ces abrutis là, parce que sinon... Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est de ça encore? Oh, on peut faire des glissades. On peut pas passer là? Non. C'est fait pour que tu sois bien niqué. C'est nul. Bon, par contre, les cailloux pourris là... Non. Bah si. On va tenter un autre endroit. Parce que cet endroit a l'air légèrement pourri. Oui, c'est l'endroit qui est pourri. Ah oui, bah oui, c'est pas moi qui sais pas jouer, voyons. Parce que je vois qu'il y a d'autres endroits de la map. Visiblement, on n'a pas été. À moins qu'on soit bloqué comme des cons, je ne sais plus. Ça fait partie du domaine du caillou possible. Caillou, win, fatality, bah oui. Mais... Merde, c'est vrai, lui, il nous crame. Oh le con, j'avais oublié ses pièges. Ah là là, ils sont forts les cailloux dans ce jeu.
Mais c'était peut-être ça, en fait, le masque pierre. Ouais, voilà. Lui ou elle, on sait pas, est nul. Très bien, tant mieux, ça me va. Y'a rien là en dessous. Oh, bah non. Faut que je retourne en haut, en fait. Ah oui, alors ça, c'est les squelettes pourris qui repeuplent. Oh, oh putain, ouais. Putain. Eux, depuis le 1, ils te font chier. Hein. Depuis Castlevania 1... Bande d'enfoiros de gros ratanas. Effectivement, on n'est pas allé par là. Ah, très bien, peut-être que ce sera moins pourri par là. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah non, mais bon. S'il y a des pièges fourbes aussi, comment veux-tu? Oh, lui. Putain, il m'énerve. Allez, mais... Enculé, va. C'est bon, ils arrêtent de pop maintenant, eux. Heureusement que c'est pas des pièges qui te tuent en un coup, là, tu m'étonnes. Tu vois, typiquement ça dans Castlevania, dans les Castlevania Old School, c'est des trucs qui te one-shot, hein, en principe. Ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles je ne joue pas à Castlevania, tu vois, parce que j'aime bien ma santé mentale. Oh, ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant, encore. Non, mais c'est pas du tout, je veux dire, c'est comme les Metroid, c'est pas du tout, moi, le type de jeu qui me... Ah, parce que t'aimes pas être perdu, en fait, c'est ça. Non, pour ça. Bah, je sais pas, bah, c'est un peu le principe des jeux en fait. Les jeux Castlevania et Metroid. C'est que tu te perds. Attends, on peut aller en dessous là. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est des conneries encore. On va aller au pif, hein. Quoi? T'es qui toi? Ah merde, mais s'il y a un boss avec 32 PV. Ça va être non, hein. Oh oh, je suis un peu surpris de vous trouver dans ma peinture. De même. Mais qu'est-ce que tu fais dans la peinture du monsieur? Tu dois être Browner. Comment oses-tu? Montre du respect à mon père! Du calme, Stella. Que peuvent-ils savoir du respect? Ce sont des humains, après tout! Oui, je suis Browner, seigneur de ce château. Tu veux ressusciter Dracula? Qu'as-tu l'intention de faire? Pfff, Dracula, dis-tu? Ma sœur? Hein? Quoi? Dracula, c'est sa sœur. Bon, bah... Ok, bon, très bien. Regardez, c'est fou, s'escrimer peut être si distrayant. On dirait que vous n'avez pas prévu de ressusciter Dracula. Pourquoi faudrait-il ressusciter le seigneur Dracula? Au cours des derniers siècles, il n'a pas su contrôler l'humanité. Ma patience est épuisée. Ah, genre, c'est devenu la risée, tu vois. Dracula, ouais. À force de se faire défoncer... Dracula, c'est un bolos, quoi. Ah oui, hein. Il y a d'autres vampires, hein. Il n'y a pas que lui, hein, dans la vie. Pour l'amour de mes tendres filles, je vais me charger des humains. Ils n'ont amené que mort et désolation sur ce monde. Si vous n'êtes pas après Dracula, pourquoi ressusciter le château? Pas beaucoup. Le pouvoir de Dracula est grand, je dois bien l'admettre. Et grâce au château, ce pouvoir permettra au monde de renaître. Vous voulez juste utiliser le pouvoir de Dracula? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais il est impossible de séparer Dracula de sa magie. Oh mais si, voilà une brillante jeune fille. Tant que je possède le pouvoir de la peinture, je n'aurai aucun problème.
père, ne perds pas ton temps avec ces insolents moucherons. Qu'as-tu dit ? Oh la vache, putain, tu le traites de moucheron, il est en PLS. Hein. Oui, laisse-moi te montrer combien ils sont pathétiques. Oui, alors pas tout de suite, les gars, parce que je vais faire game over. Hein. Inutile de se hâter, ma chère. Pouleur, le fidèle serviteur de Dracula renifle autour de mon château. Se débarrasser de lui, voilà la priorité. Mais père... Ta gueule, tu sers à rien. Vous n'avez à vous inquiéter de rien. Allez vous mettre en sécurité et reposez-vous. Ah bah non, on sert vraiment à rien. Elles vont dans des tableaux. Ah, c'est bien. C'est bien, il sera toujours temps de supprimer cette vermine. Putain, mon père, il aurait tellement kiffé pouvoir m'en ranger dans un tableau quand j'étais jeune. Ah, lui aussi, il se casse dans un tableau, c'est bon, on l'affronte pas tout de suite. Hein ? Browner, hein ? Mais en plus, ils sont cons, enfin, je veux dire, un tableau, ça se crame facilement. Ah oui, mais je sais pas. Tu prends le tableau, tu le mets au soleil, puis voilà. Sa puissance est incroyable, sa seule vue pourrait rendre folle une personne ordinaire. Ouais, j'aurais fait un carnage si je savais utiliser ce fouet. Au moins, nous sommes en vie. Ouais. Et j'ai eu fait regretter d'avoir croisé notre chemin. Putain, j'avoue, Jonathan, il parle un peu comme moi. Ouais. Ouais. Je sais pas utiliser ce fouet, mais bon, ouais. Oui, bah c'est bien, du coup. Continuer, on va essayer de pas mourir, hein, mais bon. Merde. Attendez, j'ai la manette qui bug un peu. Bon, bah, tant pis, de toute façon... Oui, mais alors, faut savoir, hein, avec Riff, c'est toujours la faute à la manette, hein. C'est comme dans la chanson d'Uzul. Bah oui, hein, ça... Ça, c'était connu, hein. C'est vrai que dans un sens, si tu l'enfermes dans un tableau, le Browner, tu le cadenasses, et il peut être assez géré facilement. Bah oui. Hein. C'est comme ça que je compte le vaincre. Pas en essayant de le frapper, voyons. Ça, c'est les faibles hein, qui essayent de le frapper. Aouh. Bon, ouais. On va tout se retaper, mais maintenant on sait qu'il y a des pièges nuls aussi, donc on se fera plus avoir, tu vois. C'est vrai, il y a des ampoules nulles. C'est vrai. Ah non. Dieu que c'est laid. Ah oui, c'est charmant hein, comme monstre, c'est sûr. Oh, t'as chopé de la vie un peu. C'est pour... Alors, les cœurs, c'est pas de la vie en fait. Ah, d'accord. Les cœurs, c'est la mana. Oui, c'est logique. Ah, ça a toujours été comme ça depuis Castlevania 1. Ça sert pour les armes secondaires. Et du coup, c'est comment que tu récupères de la vie? Bah, avec des potions. On trouve pas comme ça en fait. Ou alors en allant dans les salles de save. D'accord. Bah quoi ? Non mais j'adore le concept. Le cœur te donne de la mana. Je suis sûr, il y a des jeux où les cœurs c'est des malus. Hein. Bah oui. Et avec du poulet aussi. Ah oui, c'est vrai. Enfin ça c'est surtout... Du poulet ! Pardon. C'est surtout dans les Castlevania classiques ça en fait. Pardon, désolé. Quoi ? Putain, il nous attaque d'en bas, là, cette espèce d'enfoiros, là. Oh, le con! Genre, je me suis fait avoir. Bah, oui. Putain. Ce coup-ci, on va aller en bas pour voir. J'aimerais bien trouver une autre salle de save, mais un peu moins éloignée. Oh, putain, il y a les gnomes pourris. Non! Ah bah ça va, homme puce il s'appelle. Eh, c'est pas gentil de se moquer des personnes de petite taille. Hein. Ouais. Dis-toi que Hooper, dans ses vidéos, il les appelle les passe-partout. Putain.
En même temps, Hooper, il fait 12 mètres de haut, lui. Attends, il y a ça ici. Et il y a... Il y a des choses intéressantes ici. On va y aller, hein. Quoi ? Va te faire enculer ! Oh putain, la fin du coffre. C'est magnifique. Mais... Merci. Grande potion, ah oui, oui, bien. Le retour des passe-partout, comme dirait Hooper. Oui. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Ah, mais ok, on va faire la boucle... Non. Mais putain, je me suis fait avoir encore par le caillou pourri. Mais non. Oh là 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 là. Donc visiblement on a un nouveau proverbe, hein, pierre qui roule défonce Réfale. Ouais. Bon alors j'essaye de me dire, faut qu'on essaye d'aller autre part, où je me ferai pas défoncer instantanément. Bon, le problème tu vois c'est que évidemment, à chaque fois que tu perds, bah tout l'XP que t'as gagné, tu l'as non plus, hein, faut tout recommencer. Bah oui. En gros c'est comme si on avait rien fait depuis le début pour moi. Je le vis bien. Je devrais pas rire parce que bon, moi après je vais passer la soirée avec. Il va être tout énervé. Il y a une espèce de roue pourrie là-bas. Putain, pourquoi elle devient vénère d'un coup? N'importe quoi. Je suis passe-partout de Fort Boyard. On peut pas aller là-haut. Quoique, attends. Voyons la map. Non, c'est pas ici, c'est la salle d'après. Il y a un truc, visiblement. Je sais pas. Ouais, tu dois avoir un moyen de... Déjà là je peux aller là aussi. Alors putain là... Ouais non là par contre comme ça... Ouais non je peux pas. Je peux pas trop... Oh mais il y a une save ici en fait. Oui. Oui ok. Toujours les saves. Moi j'aime bien. Hein. C'est bien. Bravo. Hein. Trop chaud. Trop chaud. Trop chaud. On pourra pas aller là tout de suite. Où est-ce qu'on va aller du coup? Bon, je vais bien continuer par quelque part, loul. Ouais. Je vais essayer. Je te jure, par contre, j'en peux plus de cette musique. Putain. Elle est bien, la musique. Je vais en faire des cauchemars cette nuit. Merde, tes conneries. C'est clair que si je suis bloqué dans cet endroit maudit pendant 12 ans, par contre, ouais. Ah, et tu vois, moi, Castlevania, on m'avait vendu du rêve, on m'avait dit c'est gothique, il y a des vampires, musique d'orque, tout ça. Total, je tombe sur la fête du couscous, quoi. J'aime bien la musique orientale, mais déjà la vraie musique orientale. Comme au Brésil. Les enfants. 2000 balles.
m'a complètement défouraillé. Putain, du coup, je suis en train de penser à la chanson de Yedré, là. Alors, ciel sur un sort défensif qui neutralise les attaques à distance. Ouais, bon, Joseph un peu, hein. On va retourner en arrière, tu sais quoi. Pour les save. Sauf si je me fais avoir par ça. Logiquement, il n'y a pas trop d'ennemis complètement pétés. Attention! Ouais, je sais. Le problème, c'est qu'il faut le déclencher quand même, donc il faut quand même avancer un peu dans ce merdier. T'as fait chier longtemps, toi. Espèce de squelette pourri, là. Bien. Écoute, hein, on va essayer d'insister hein, jusqu'à ce qu'on y arrive. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. On sait où est-ce qu'il faut aller, mais comment ? Là est une autre question. Boum. On sait où qu'on veut aller, mais on ne sait pas comment qu'on y va. Voilà, exactement. Des fois les mobs dans les Castlevania, c'est inspiré hein. Le mieux c'est quand t'arrives dans les bibliothèques où tu commences à avoir des livres qui t'attaquent et tout. Oui, c'est génial. Mais bon, ça t'as beaucoup dans beaucoup de jeux de toute façon. Oui, voilà. Tu as le niveau de la bibliothèque avec les bouquins qui t'attaquent. Putain de passe-partout. Mais est-ce que c'est passe-partout de faire des gens? Est-ce que c'est celui de Fort Boyard? Je ne sais pas. Oh, niveau sup. Ectoplasma. Mais on n'est pas dans le bon jeu. Qu'est-ce qui se passe? Putain la vache, mais il y a une émeute là. Mana, c'est quoi ce délire? Ah, je suis... C'est parce que je suis maudit. Oh non, c'est nul. What? Un os crachat, d'accord. Qu'est-ce que... Oh putain, enculé. Ouais, non mais calme-toi. Mais... Va te faire. C'est les momies qui font des manifs, mais oui. Non. Voilà, hein, comme d'hab. Si ça continue à être aussi passionnant, moi je vais te laisser, j'allais faire une sieste. Hein. Non, mais j'essaye, je fais de mon mieux. Ça suffit pas. Bah oui, mais bon. Ça suffit pas. Je fais ce que je peux, Loul. Putain de merde.
cru le truc ici? Oh la vache! Putain. Allez, mais putain de merde! Ah, oui, ah mon homme, ce save. PGM. C'est vrai, j'avais save après avoir récupéré le pouvoir nul là. Mais putain, attaque! Voilà. Je joue presque bien là, je me suis fait avoir aucune fois. Je me fais peu. En fait, je sais ce qui me. C'est vraiment. C'est le concept absolument poussé du die and retry quoi qui me tue dans ces jeux. Oh, ça va, c'est pas die and retry. Attends, t'es mort combien de fois depuis le début et t'as progressé de combien depuis le début? Non, mais ça, c'est parce que je suis nul. Voilà. On se fait pas avoir encore. Salut, ça va? Une potion, très bien. Là, on est au rocher magique. Pierre qui roule me défonce la gueule, voilà, on a compris. Hein. Pierre qui roule te défonce l'anus. Voilà. Bravo, hein, bravo. On apprécie ce grand moment. Ah, fallait pas l'inviter! PV max, voilà. On s'en fout, on se casse, voilà. Oh, bonjour Spy! Quoi, on parle d'anus génial? Ah bon, on a parlé de ça nous? Ah mince alors. Bon, on va se faire punir. Hein. Allez, attaque, cheaté! Loul! Ah, faut bien ça, tu me diras. Hein. On se fait défoncer depuis tout à l'heure. Voilà, on est sur Metroid, on a battu Ridley, génial. Et oui, interdit de stream. Ah bah oui, on a dit le mot anus à la télé. Voilà. Mais c'était pour parler d'une anus horribilis, hein, enfin. Ouais, évidemment. Merde, on va peut-être attendre que. La mana remonte, mais qu'est-ce qu'il fout? What? Ouais, j'attends que la mana remonte, hein. Je m'en fous. Là. À te faire enculer. Ouais, par contre, on a plus. Comment ça s'appelle? Sa tenue bizarre là qui nous est filée là. Ah bah oui, bah non, bah forcément tu l'as paumé hein. Eh oui. De toute façon tu paumes toujours toutes tes affaires. Ah c'est triste. Hein. Alors on va arrêter de se faire bourrer, ce sera bien de retourner la save. Voilà, qu'on ait enfin réussi à faire quelque chose de constructif dans cette partie. Ah bravo! Ah oui! Bravo! T'es crevé, Spy! Bon, moi aussi, je suis claqué. Bon, moi en même temps, je me suis réveillé à 5h30 ce matin. Ah bah oui. C'est vrai que là, mon corps commence à me dire: hé! Hé! Et si tu faisais une sieste, dis un, hein, dis! Loul. Regarde.
On va retourner au même endroit. Quand je dors trop, je suis crevé, quand je dors pas assez aussi, mais putain, on dirait moi. Enfin, remarque, je vais quand même mieux quand je dors trop, hein. C'est étonnant que ça puisse paraître. Allez, mais arrête de m'enchaîner et tout. Oh, en fait, ça va, il est pas si compliqué que ça à battre, lui. Oh putain, j'arrête pas de bailler. Putain, ça me fruse de pas. Non mais c'est bien, hein, Castlevania. Bon, tous les coups, je vais me faire avoir par le caillou, ça va m'énerver. Sinon, il y a un concept qui s'appelle sauter. Eh ben, c'est ce que je fais, mais bon, on n'a pas le temps. Va te faire enculer! C'est beaucoup trop punitif, on s'en fout, je vais passer par l'autre côté, on va remonter et puis. Putain. Toujours ces fantômes pourris là! Il te touche, tu comprends rien ce qui se passe. Enfin bon. C'est marrant parce que il a vraiment un cri de hentai, hein, ce machin. Mais non. C'est ton imagination, ça. Y'a mes têtes. Ah oui, me faire avoir par le caillou, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, déjà. Oui, non mais. C'est pas la première fois, mais le caillou, de toute façon, je l'aime pas, hein, j'ai décidé. On arrêtera de passer. Je crois que lui non plus, il t'aime pas, hein. Bah oui, c'est pour ça qu'il me fonce dedans, cet enfoiros. Sauf que moi, je lui ai rien fait là-bas, c'est lui qui a commencé. Y'a rien maté dans un stream sur GN, succès débloqué. Ok. Y'a moqué. Bon, je suis pratiquement certaine que c'est pas le premier stream où je fais la blague du Yamete Kudasai. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être dans le NT Show. Oui, bon, de toute façon. En même temps, dans le NT Show, il se passe tellement de choses étranges. Le NT Show, c'est un peu une espèce d'exutoire. Ouais, j'avoue. Oh, je vais essayer de passer sans me faire avoir, j'y crois pas. De toute façon, maintenant je commence à faire des tests Volcaloid, on peut s'attendre à tout de ma part. Quand t'es auditeur, c'est plus marquant. Ah, peut-être. Je ne sais plus. Il fallait aller. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, et là il va y avoir le dialogue nul. Ah oui, on s'en fout, voilà, on a déjà discuté avec vous. Cassez où ? On a compris, vous êtes enfermé dans votre tableau, vous servez à rien, bon, c'est bien. Moi aussi, j'ai une vie passionnante. Hein. Marche, Malo. Tiroxiache.
Ah bah oui, il y a Roxas qui aime bien les marshmallows. Toujours, marshmallows. Mais qu'est-ce que... Putain, maintenant, quand c'est pas les cailloux, c'est les cons en feu, là. Un café. Merci. Non. Oh putain. Est-ce que je peux casser ça, s'il vous plaît, merci. Oh, un truc. Une part de tarte. Tarte au potiron. C'est bon ça, la tarte au potiron. Ouais, c'est bien, comme ça, on va pouvoir manger au cas où... Voyons la map pour voir où est-ce qu'on peut aller encore. Je sais pas, je vais là au cas où il y a une save, on sait jamais. Oh non, il y a l'aspirateur méchant là. Ouais, on entend bien éclectique parce que là, ce coup-ci, on a un matos un peu moins nul. Ouais, bon, on est en fait allé juste acheter un bidouilleur à 2,50€, mais ça marche. C'est parce que la dernière fois, en fait, il y avait un casque pour deux. Alors que là, comme ça, on a pu chacun brancher notre casque. Alors, collier en cristal, bon, j'imagine que c'est plutôt pour Charlotte. Loul. Collier en cristal. Alors, ça fait augmenter, ouais. Ça fait augmenter la connerie, et ça fait baisser la défense, donc non. Qui a vu ma tronche de cake? Oui, on a vu ta photo. Ben non, mais j'ai pas vu, j'irai voir après, parce que là, j'ai pas mon ordi à côté. Ah, oh, oui, je suis content. Une save! C'est un miracle, les amis. Ça y est, j'ai enfin l'impression qu'on progresse. On va aller en bas, du coup. On va faire un... Voilà. Mais j'ai te gratouille. Ah oui, c'est important. C'est important, la gratouille. Bon, tu vas arrêter d'essayer de m'aspirer, toi, espèce d'imbécile. Merci. Des fois, faut pas me tenter, hein. Avec certaines phrases, certains mots qui peuvent trigger d'autres choses, tout ça. Tu me connais, j'ai l'esprit très mal placé. Ah. Oui, bien sûr. Oh, cool. Du coup, maintenant on peut se TP. Bravo. Mais non, c'est bon, je veux pas. Merci. Bon, du coup, vous allez bien, les Roxas? Les Roxas, ils sont les plusieurs Roxas, voilà, les, tous les Roxas, là, comment vous allez? Attends, moi, j'essaye de refaire un peu mon siège. Ne me touche pas, Baka. Ne me touche pas, Baka. Baka toi-même. Qu'est-ce que tu m'insultes de Baka? Je suis Roxas. Non! Il est fort, lui! Ah, il est fort, le con. Est-ce que c'est un coffre pourri? Oui, je savais, putain. Il parlait de la med à l'aspirateur. Ah oui, oui, oui. Tu crèves par rapport à quoi, Spy? Parce que bon, on balance tellement de conneries qu'à force on ne sait plus. Alors, attends, là c'est pour retourner ici, mais on va peut-être pas le faire. La Baka des sous. Ah, Baka. Watashi wa Baka desne. Moi, je comprends rien à vos conneries, hein, donc. Kia. Oui.
Oui. Non, mais je fais très bien la petite japonaise. Kiya, évidemment. Bah oui. On s'habille chez Kiyabi. Merde. Il est en train de crever de rire avec mes Kiyas. Ah, c'est elle, Madame Kiya. Va retourner chez Kiyabi, enfoiros. Les Roxas vont bien. Et vous remercie. Tant mieux, tant mieux. S'ils vont bien. Quelque part, cette phrase a quelque chose d'un peu effrayant, je trouve. Tiens, va faire Kiya ailleurs, toi. Quand le prochain quiz? Ah, Dark Gamer, ah oui, je me souviens, tu faisais les Nintendo quiz. J'en sais rien, quand est-ce qu'on fera un prochain Nintendo quiz? Ça, c'est à voir avec Monsieur Megamagus. C'est lui qui se charge de ça, c'est lui le grand Manitou. Hein. C'est lui le chef. Putain, dégage, ectoplasma, merde. Oh mince. Comment dire, je vis un sale quart d'heure. Putain, mais... What? Qu'est-ce qui se passe? Remède sort, charme qui chasse la malédiction. Comment? J'aime bien Ectoplasma et utilise malédiction, c'est super efficace. Ouais, ça. Ouais, bravo. Sérieusement, faudrait faire un compteur de mort en fait. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais te dire, on va surtout aller autre part parce que cet endroit-là, il était nul. Ah bah d'accord. Bah, on peut pas. Là-haut, c'est nul, on peut pas y aller. Ah, ça doit être un sort qui te soigne du... Oui. J'ai compris, le sort que j'ai chopé, c'est pour plus que je sois maudit par ectoplasma. Mais qu'est-ce que... Attends, je croyais qu'elle était morte. Mais bon, le problème, c'est que là, bah, je l'ai plus, vu que je suis mort. Eux, en fait, ils sont pas si redoutables que ça, hein, ça va. Je serais presque tenté d'attendre et de refaire mon super pouvoir sur la gueule de tous ces cons là, qu'on a sur la salle au-dessus. On va faire ça, hein, vous savez quoi. Pourquoi le son a bugué hein? C'est pas grave. Allô le son? Merde. Ah, toi alors, avec les fils. Vendredi, Roxas va peut-être stream sur la chaîne de Gênes. Oui, vendredi après-midi, je pense, non? Eh ben oui, pourquoi pas. Allez hop.
Cassez-vous. Balle d'acier particulièrement lourde. Qu'est-ce que c'est que ça? Jure. Ouais. Appel fantôme, tiens, c'est quoi ça? C'est un autre truc? Ah bah peut-être. Appel fantôme. Alors balle d'acier, c'est une arme secondaire, balle d'acier particulièrement lourde, on va essayer, hein, c'est quoi. Et appel fantôme, qu'est-ce que c'est que cette merde? Convoque un fantôme à utiliser dans la bataille, ouais. Pourquoi pas. Ok. En fait, c'est comme la boule de bowling du villageois dans Smash Bros. C'est bien. Ah, on sait pas sur quoi tu as stream, Roxas. Alors le layout, ouais, bon, c'est clair, c'est pas moi qui vais te renseigner là-dessus, parce que moi... Moi, vous le voyez, mon layout, c'est un peu de la merde, hein. J'ai l'impression que balle d'acier c'est un peu nul quand même. Continue à utiliser les haches, hein, ma foi. Grande potion, ouais, ma foi. Toujours bon à prendre, on est où là? On est là. Ok. Ah merde, je croyais qu'on pouvait passer, je croyais que le poteau là c'était du décor, mais non. Ok, c'est bien, casse-toi. Un coup de boule! Eh oui, exactement. Mais je vais pas l'utiliser parce que ça a l'air un peu nul. Quand on les prend à contrebas, ils sont un peu nazes en fait. Hein. Sauf si je fais le cake. Ce qui n'arrive jamais, hein, vous le savez. Mais il arrête de faire le cake aussi, le dragon pourri là. Merde. Putain. En bas, c'est pour retourner à la salle de save et qu'on pourra pas remonter comme ça, visiblement. Mais c'est pas grave, je préfère faire ça. Uru! C'est plus safe. T'es coincé, c'est ça? Non, non. Sandales de roi. Oh, tiens. Sandales de roi, ça nous fait baisser d'un point la défense, mais de 3 l'intelligence et de 3 l'esprit, c'est la défense magique, je crois. Ouais, donc c'est bien. Ouais, carrément. Donc là, on pourra pas remonter comme ça, mais je préfère aller save avec tout ce qu'on a fait. C'est mieux. Bon, sinon, de votre côté, vous jouez à quoi en ce moment?
Moi je joue à Magikarp Jump. Ah oui, Magikarp Jump. J'ai pas encore fait la ligue la dernière. Hein. J'ai un peu la flemme. Ah, j'en suis aux deux tiers moi là déjà. Chier cet abruti. Café, très bien. Donc Spy, toi t'es sur Resident Evil Rebirth, hein, je suppose, sur GameCube. Momodora, je connais pas du tout. The Witness, Odin Sphere, Fire Emblem Fates, Yoshi's Woolly World. Effectivement, on t'a plein de trucs. Hein. Et t'aimerais bien faire Hollow Knight. Ouais. Hollow Knight, il est pas encore sorti sur Switch, hein, je crois, non? Je sais qu'il est prévu, mais... Je crois qu'il est pas encore sorti. Et ça y est, il commence à m'embrouiller ces abrutis, voilà, c'est bien. C'est les pires ennemis, ça. Je me demande si c'est possible de faire ça. Ah putain, mais oui, c'est possible. Mais... T'as pris sur Steam, ouais. Momodaro, c'est un Metroidvania. C'est le quatrième que tu joues. C'est Jap, c'est un des Jap. Esthétiquement, ça ressemble à Cave Story. Ok. Attends, toi, machine, mets-toi là. Putain. Mais bordel, je veux rebondir sur toi! Oh la vache. Putain, c'est pas les meilleures faces, ça. Hein. Je me demande si c'est possible. Libération de la femme, elle n'est pas un trampoline. Si. Espèce de gros bâtard. Oui, on peut. Alors, couteau Buaka, couteau à lancer utilisé par le peuple Buaka. Ok, c'est bien. Ouais, parce qu'on avait les couteaux tout courts et les couteaux Buaka, ça va être plus fort, je pense. Ah ouais, c'est un espèce de shuriken. Ça fait 9 de dégâts. Ça n'a pas l'air si puissant que ça. Hein. C'est un peu ça. Balle d'acier, voyons combien de dégâts ça fait. 40. Ouais, quand même. Mais bon, ça a une portée de merde. Là, ma hache. Le truc, c'est que c'est assez fort la hache. Ouais, 31 quand même. Ah oui, hein. Oh putain, mon pauvre Spy, il a tout paumé un truc qu'il avait fait en pixel. Oh ah. T'as fait un truc en pixel art, c'est la dernière fois, t'as oublié d'enregistrer. Oh, c'est chiant ça. Carte, où est-ce qu'on est? Oh putain, je sais même pas où on est. On est au bout du monde. Oh putain. Ah, c'est dégueulasse.
point américain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un bagnac. Arme de poing dans le nom signifie griffe de tir. Alors bon, sauf que c'est une portée du cul, donc bon merci. Portée du cul. Ça fait peut-être plein de dégâts, mais avec une telle portée, c'est mort. Hein. Moi, je prends pas ça. Bah quoi, t'aimes pas les armes qui ont la portée d'un cure-dent, toi? T'aimes pas le challenge, hein? Ouais, ouais, ouais. Tant pis. Moi, je vais utiliser une potion parce qu'eux, ils commencent à m'énerver, ces abrutis. On va prendre un petit café. Ah merde, le café, c'est pour les PM. J'aime bien, c'est les griffes de Vega dans Street Fighter. Ah, je suis assez d'accord, ouais. Un peu, ouais. Un peu. Oh putain, j'ai évité la roue à la con. Hein. Le mec en feu qui fait la roue. Là, il y a encore lui, là. Pauvre con. Non, putain, j'avais oublié ça. C'est pas grave, la save est là. Vais-je finir le monde du désert avant la fin de ce stream? J'aimerais bien. Incroyable du cul si j'y arrivais. Personne ne le croirait, mais c'est pas grave. Moi j'y crois. Et arrête de m'aspirer, toi, c'est pas possible. Hop là. Et les griffes de Vincent Vega. J'attends que mon pouvoir recharge, hein, voilà. Je n'ai pas de race, désolé. On se fait vraiment chier. C'est ça qui est bon. Bon. Lui, en fait. Oh non, il y a Ectoplasma encore. Hit, on se casse. Ah, voilà. On s'est pas fait avoir par Ectoplasma, on a de la chance. Bah, j'attends la prochaine fois où tu meurs et puis j'y vais. C'est gentil ça. Histoire que je déprime bien, hein, c'est ça. Oh, c'est juste que j'ai méga besoin de faire une sieste là. Et quitte à dormir, je préfère être à l'aise. Ok. Alors on peut aller en haut, on peut aller à droite. Bon allez hop, on va sauter sur sa tronche à elle encore. De toute façon on va servir qu'à ça. C'est pas vrai!
Je crois que tu te mets trop près du bord, en fait. Je sais pas. Ah non. Mais pas non plus à 4 km du bord, enfin. Oui! Bravo. C'est quoi ça encore? Je crois qu'il y a un truc à récupérer de l'autre côté. Ah oui, oui, non mais oui, je veux bien. Tiens, par contre, maintenant que t'es dans un endroit tranquille, moi je vais y aller. On débranche mon casque, c'est pas la peine. Laisse-le comme ça au moins on fera pas de conneries. Ouais, ok, mais On va pas t'entendre en double. Bah non, on va pas entendu en double jusqu'ici, donc non. Voilà. Enfin bon. Ouais, bon, je vais pas me faire chier, essayer de sauter là encore, c'est pourri, on s'en fout. Donc, en haut, on peut pas y aller, on sait pas pourquoi. Ouais. Là, on n'est pas allé. Oh, trop bien, on peut faire un vœu. Allô ? Oh ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mince, il s'est cassé. Pas de bol, hein. Alors, en bas ou en haut ? Aller à l'endroit qui me paraît le moins risqué. Potion antidote, super. Bon, sinon, moi de mon côté, je suis en train de jouer depuis. Depuis quand ? Depuis vendredi soir, je suis en train de jouer à Blaster Master Zero sur la Switch. J'ai testé la démo parce qu'on m'a dit qu'il était bien. Effectivement, c'est pas mal. Du coup, j'en ferai peut-être un test sur GN, je sais pas, je verrai. Oh yes. Hop, on les save. J'en ferai peut-être un test, hein, c'est possible. Pour le moment, j'aime bien. Comment dire, en fait, Blaster Master Zero, c'est un peu un mélange entre entre Mega Man, Contra, un peu un côté Metroid aussi si on veut. Merde, pourquoi je vais là? Et surtout, ça coûte que 10 balles aussi. Petit argument indé, hein. 10 euros. Ah, tu te dis, ah oui, ça a l'air intéressant. Ah bah ok, il y avait une save ici. Bon. Ça fait chier pour rien, mais c'est pas grave. Il fallait mieux être safe, pour te tenir. Double. Ah, ça sent le bon gros boss, si je vois cette porte là. Ouais. Oh, c'est Cléopâtre, mais qu'est-ce que c'était, connerie? Non, je suis amoureux. What? Mais non! Mais qu'est-ce que c'est de ça? Oh putain.
putain! On tombe amoureux! Y'a peut-être un sort pour empêcher ça, non? Ouh la honte, il est amoureux! Ah ouais, mais ça, c'est la loose, hein. Ah mince! Qu'est-ce que c'est de ce boss? Alors du coup, pour pas affronter Jonathan comme un mongolo, vaut mieux jouer Charlotte toute seule. Ouais. Ouais, peut-être mieux. Hein. Le pouvoir des boobs, eh oui, c'est fort. Hein. On se fait tout savoir. Putain, ma manette, elle a du mal. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Feu violent. Est-ce que je pourrais utiliser l'autre? Tempête. Machin de glace, c'était pas trop mal, je crois. J'ai l'impression que je lui faisais un petit peu que dalle comme dégâts en plus. Collier cristal, ah oui, ça va être bien ça. Éclair saint ou bruit, ça c'est le truc double. J'essaye pour pas me faire chier. Tout reconfigurer si jamais je meurs. Hein. Attends, mais si je lui fais que un dégât, c'est quoi ce délire hein? What? Je me fais défoncer. Pourquoi je lui fais que un dégât? Il y a un problème. Ouais. Super. Peut-être qu'avec Charlotte on fait que 1 de dégâts à chaque fois, mais bon. Eh oui, putain, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça le délire, faut changer. Ok, bolossage d'extrême, ouais, mais en plus j'ai un bug avec ma manette, ça m'énerve. Ça fait un peu n'importe quoi. Ça me saoule un peu. Putain. Ma manette, elle capte mal. Ouais, bah en gros. Merde, mais quel... Putain. Je voulais pas faire ça. Donc, ouais, le délire. On lui fait des vrais dégâts qu'avec Jonathan. Parce que sinon, avec Charlotte, on lui fait un PV à chaque fois. Mais faut switcher pour pas se faire tomber amoureux et de pas mourir comme un caca humain. Quoi, le Temptation. Ouais,
vache! Alors mon attaque extrême, je sais pas pourquoi, ça lui fait pas vraiment de dégâts non plus. Donc on va pas pouvoir abuser de ça. Bon. Faut se la faire à la loyale. Hein. J'ai bien l'impression. Super. Ok. Ah bah salut rétro. Tu passes un coup de vent parce que tu as préparé ton sac pour une pyjama party. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Une pyjama party, mais enfin t'as pas honte. Fais gaffe hein, je vais vouloir venir moi, loul. Bon bah en gros on se fait défoncer, voilà. C'est un peu le résumé. Pyjama party, mais qu'est-ce que c'était connerie. Donc tu vois, on a à peu près exploré tout le monde du sable là. On est au boss. C'est Cléopâtre, on sait pas pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce que c'est Cléopâtre, je ne sais pas. Et tiens, ce que je vais faire comme objet secondaire... Je vais mettre force offensive. Ça me semble pas trop mal. Le monde du sable. Mais oui, mais le monde du désert, on avait commencé ça la dernière fois, t'étais là. Et Roxas qui a une session d'épilation. Ah bon? Ok. Pourquoi pas, hein? Mais non! Putain, mais j'ai changé, Taras! J'ai commencé 5 minutes à peine. Mais n'importe quoi. Non mais en fait, là ce qui s'est passé rétro là dans le jeu, c'est qu'en fait la Cléopâtre, elle possède Jonathan quand elle fait Temptation. Et c'est pour ça qu'il faut que je switch vite. Parce que sinon elle le possède et je me fais avoir. C'est bien hein. Et oui, c'est ça. Ouais, le sort de force, ça me fait plus de dégâts, bien sûr. Voilà, Temptation, faut vite que je switch. Parce qu'avec Charlotte, en plus, je lui fais que dalle comme dégâts. C'est génial. Je me fais ouvrir en 8. Merde, mais je voulais pas faire ça. Taras Bulba, putain de merde. Là, c'est bon, on a perdu en fait. Voilà. Dès que je me fais posséder l'autre, c'est bon, c'est mort. C'est game over. Ah oui, bah en 2 contre 1 en même temps, tu veux que je fasse quoi? Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que je switch, c'est en fait, donc moi j'utilise forme offensive pour pouvoir booster mon attaque. Mais à chaque fois que je switch de perso, j'ai l'impression que mon boost d'attaque il disparaît, et du coup, bah c'est chiant. Oh putain, ça sent le boss de merde. Hein. Mais qu'est-ce que.
Ok, à chaque fois que l'Elitech vise, c'est la tornade. Merde, Temptation. Faut que j'ai le temps, faut que j'ai le temps. Ok. Nique ta race! Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? What? Putain. Voilà. Mais tu verras, Rétro, un jour tu feras ce jeu et un jour on pourra rire ensemble de tes performances. Putain! Oh la vache! Pourquoi je fais ça? Putain! Mais merde! Mais c'est pas vrai! Étoile de mer, ah putain, ça restaure pas mal en fait. Putain, mais j'en ai marre de take vie, ça, ça. What? What? Mais putain. Mais elle t'attaque deux fois de suite avec son take vis de merde. Ouais, ouais, bon, on va voir c'est qui le meilleur, tu vas voir. Putain, mais quel abus! N'importe quoi, là! Non mais l'attaque Texas, elle est beaucoup trop forte. Merde, Temptation. Ah! Merde, Temptation. Mais merde. Putain, elle fait trop peur, hein, sans déconner.
Je peux te sauter par au-dessus? Oh non. Oh, mais vas-y! Ah, oh, mais elle est faisable, hein, mais bon. Putain, faut être concentré, quoi. Allez! Mais bien sûr, je veux lui le sauter uniquement au-dessus, hein, rien d'autre. Ah, yes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné en tout cas. Bon, on va vite save. Ne soyons pas débiles. Bravo, hein, bravo. Ah, t'es déçu, tu pensais que j'allais encore perdre en boucle? Bah non, bah désolé. Hein. Attends, parce qu'il y a encore un endroit où je suis pas allé, là, en dessous. Avant de quitter le monde. Voilà, là, je suis pas allé. En hache. C'est quoi l'autre qui fait des attaques nucléaires? Ah toi! Putain, il y a plein de passe-partout. Enfin mort. Pourquoi il y a plein de passe-partout? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors? Bah c'est la fête. Merci, merci. Feu violent, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein, de toute façon. Oh bah mince alors, les passe-partout. Grand tonique, ça c'est pour restaurer la mana. Ouais, je mate la map en grand, hein, pour être sûr que je fais pas n'importe quoi. Merde. Oula. Une chaîne. Amulette. Ça fait baisser de 2 la défense, mais de 10 l'esprit. C'était plutôt pas mal. C'est plutôt mieux, hein. Parce que l'esprit, c'est la défense magique, hein, de ce que j'ai compris. J'ai one shot maintenant avec la hache, c'est bien. Eh oui, c'est des passe-partout. Calazaris, j'ai eu Calris au début. Des escarpins, alors ce sera plutôt pour Charlotte, j'imagine. Et ça fait augmenter
Ouais, c'est bien. La défense et la chance. Bah, très bien. Incroyable. Oh putain! Mais qu'est-ce que c'est de ça? Méga fantôme! What? Mais va te faire enculer! Merci! Il allait se faire enculer, voilà. On va peut-être vite se casser d'ici, hein, loul. On s'en fout, on damage boost, on est livré. La violence d'un homme, oui. Ok. C'est pas de la tricherie. Mais papa, tu triches? Mais non. Vous comprenez pas, enfin. Très bien, on va retourner sauvegarde. Est-ce que la pyjama party est une bonne idée dans cet état de fatigue? Mais si tu te mets en pyjama, c'est pour dormir quelque part. Pas pour faire la fête. Eh oui! Bon, mais... Le damage boost, eh oui. Je suis un speedrunner, hein, qu'est-ce que vous croyez? Oh, un passe-partout. Salut! Pourquoi est-ce qu'il y a une flèche nulle là? Mais d'où elle vient la flèche? Mais quoi? Mais pourquoi t'es bugué toi? Elle va te faire enculer. Merci. Tu serais étonné de savoir ce qu'on peut faire en pyjama, mais j'en sais rien moi, tu sais, je suis ignorant. Hein. J'en ai aucune idée. Augmente ta puissance de poussée. Ah bah voilà. Maintenant on peut pousser les blocs. Ok, et ça va nous permettre de nous débloquer je sais plus où dans le château principal. Ah oui, bah oui, mais bien sûr, bah oui. Je comprends mieux, bah oui, parce que la dernière fois, DB il me disait mais si, enfin on peut pousser le bloc. Moi je lui disais mais non je peux pas, j'ai essayé, enfin. C'est quoi cette merde? Ok, je viens de comprendre le boulon. Et ben maintenant on va pouvoir les pousser ces putains de blocs. Rétro Pascal OP. Pascal, ah bon, c'est Pascal le grand rétro. Ah, là je ne peux quand même pas pousser, peut-être qu'il faut être à deux. Mais... c'est quoi cette merde? Relique. Oui. Cube poussé, mais il est activé. Quand tu pousses un objet, appelle ton partenaire pour qu'il t'aide. Eh bah aide-moi, sac à merde. Non, je connais pas Pascal OP. Pascal le grand frère rétro, c'est vrai que ça c'est bien. Je connais pas votre merde là. Oh, pourquoi elle veut pas m'aider? Putain, mais vous êtes con ou quoi? Mais pousse! Alors, cube changement. Cube appel. Oui, mais cube poussé, c'est ce qu'il vient de choper, là. Quand tu pousses un objet, appelle ton partenaire pour qu'il t'aide. Gant de force augmente ta puissance de poussée, bah oui. Je n'irai pas chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah voilà! Ah, en fait, faut appeler à l'aide pendant qu'on est en train de pousser. Putain, mais n'importe quoi. Charlie Hebdo a interviewé Pascal OP. Ça a l'air tellement improbable ce que vous racontez là. Bah du coup, je sais pas, on se casse de cet endroit. Hein. Ok.
qu'est-ce qu'on a d'autre à foutre ici. Je regarde qu'est-ce qu'on a pas fait dans la map, mais... Ah, attends, je vois un petit endroit qu'on a pas fait. Vers en bas. C'est bon, il y a des grandes salles que j'ai pas pu parcourir en entier, parce que c'est de la bite, mais bon, ça c'est pas grave. Ah non, c'est là où il y a Ectoplasma. Non. Non, non, je veux pas. Qu'est-ce qui serait le mieux? Remarque, non. Je veux pas me TP, ça sert à rien. Mais dégage, passe partout. Passe partout de Fort Boyard. Loul. Enfin bon. Attends, où est-ce qu'on va le niveau? Ok, je vois. Les grands pièges maléfiques. Piège encore, vieux piège fourbe. Pascal OP. Je suppose qu'il est opérationnel, c'est ça. On va tenter d'aller par là. Allez hop. Plasma, t'arrêteras de me faire chier maintenant. Bien. Opérationnel dans sa profession, on va dire. Ah ah. Mais quelle est sa profession? Avoir une petite idée, hein. Putain, 2000 balles. Je ne peux pas le dire pour ne pas choquer les plus jeunes. Ah bon? Déçu. Je suis sûr qu'il doit avoir une profession très noble. Et donc, genre, cet homme de profession très étrange. S'est fait interviewer par Charlie Hebdo. Intéressant. Alors, 1000 lames attaquent avec grêle de couteau. Mmh. 1000 lames. C'est un sort. Oui, c'est assez incroyable, je crois. Ah bah oui. C'est quoi 1000 lames? C'est quoi cette merde? Je ne vois pas. Ah ok, c'est un spécial comme ça. Attends, on va voir. Ah
Merde, je croyais avoir... Non, c'est éclair ça. Ah merde, mais parce que j'ai pas pris le bon personnage. Bravo, bravo. Bravo le veau. Hein. Niveau supérieur. Elle bug pile au bon moment. Oula, 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 oula. Moi j'ai l'impression que c'est pas si fort que ça. Hein. Contre des boss, remarque, c'est peut-être plutôt fort. Rifal qui va péter un câble après quand il entendra la musique de cette zone. Ouais, c'est éclectique hein, tout à l'heure qu'il pétait un câble avec la musique. Moi je l'aime bien. Hein. J'ai aucun problème avec la musique de cette zone. Hein. Je vérifie la map. Non, on a tout fait. Hein. Bon, on va se casser. On va retourner dans le château principal et puis basta. Parce que je sais que dans le château principal il y avait un endroit avec des blocs à pousser. Putain, enculé, tiens, prends ça. Moi ça va, je la vis bien la musique. Pourquoi elle vous énerve vous aussi? Voilà pour retour au château de Dracu. Yes. Voilà, fini la musique que vous aimiez pas là. Tiens, la meuf qui veut m'aspirer là, hein. D'ailleurs, est-ce que Pascal OP se fait aspirer des fois? Manchot, il aimait bien la musique. Très content. Un caraco foufou, trop bien. Il se fait aspirer très souvent. Ah, le pauvre. Ah, c'est vraiment pas de chance. Hein. J'avais presque oublié eux. C'est pour ça que j'aime bien les hoches. Tu vois, pratique. Hein.
Moi, je trouve qu'il a beaucoup de chance, au contraire. Et chacun son point de vue. Bah, je sais pas, quand même. Ça peut être dangereux. C'est un point de vue, effectivement. Je me rappelle qu'on se faisait bien bourrer à cet endroit avant, mais visiblement, on a gagné un peu de niveau. C'est mieux, hein. Ah, le coffre, c'est de la baise, on le sait. Tire. Bien, bravo. Corset améthyste. Je sais plus si on a déjà eu ça. Merde. Papa. Ah si, là. Alors. Ça fait augmenter la défense de 2. Et ça fait baisser de 5. La défense P. Bah non alors. Toi on sait que t'es en vie, enfoiros. Non. Il nous est tellement mal eux avant. On s'en fout de ta merde. Voilà. Ah, elle me manque quand même la musique d'avant. Je suis désolé, les gars. Je l'aimais bien. Un lutin pourri. Ah mais non, mais c'est une TP, c'est pas une salle de save. Mince. Pascal OP se fait aspirer. Pascal OP se fait vraiment inspirer. Ah bah tiens, quand on parle d'aspirer... Vive là. Pascal OP, il est vraiment OP quand il se fait aspirer. Pour Charlotte. Quoi, il se fait aspirer par Charlotte? Oh! Ah bah mince! Je savais pas! Incroyable! Le corset, c'est l'ancêtre du soutien-gorge. Ah oui, oui. Sans doute. Tu es en train de rendre Spy fou. Mais non, il va très bien Spy. Il a l'habitude. Hein. Télélé, télélé, c'est OP. Il est OP dans son métier. Pascal OP, tout en OP. Hausse force, augmentation temporaire de force. Mais on l'a déjà ça. C'est nul. Ah non, c'est pour elle. Oui, mais c'est pourri. Ce stream en roue libre. Mais non, il va très bien le stream. Heureusement que je suis là, Spy. Bah oui, bah tant mieux. On est là pour ça. C'est un soutien-gorge qui l'empêche de respirer. Ah, c'est pour ça qu'elle aspire, peut-être. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à aspirer. Elle n'arrivait pas à respirer, donc c'est, elle aspire. Bah oui, mais je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant la théorie. Salut.
enfin bon, je raconte n'importe quoi. Hein. Vous avez l'habitude. Hein. Salut. Il y a du décalage apparemment. Bah... Je pense pas que ça vienne de moi parce que moi j'ai 0,2% d'image drop. Non, tes bisous font des dégâts. Non. Non. Corse les fers. C'est de la merde. J'en étais à l'obtention du corset. Ah ouais, 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 t'avais du retard, oui. Attends, c'est un fake ou quoi? Mais oui! Je vais te faire enculer alors. Point foué. Point foué permet de donner des coups de poing cinglants. C'est nul. Ah, c'est de la merde! Enfin, ça fait les mêmes dégâts que mon truc là, que ma Pertuisane, ma lance là. Mais bon, c'est un peu plus de portée, tu vois. C'est un peu mieux, quoi. Lilith. Putain, mais il m'énerve lui avec ses bouts de bois pourris là. Squelettrangle. Ah. Gars, parce que j'ai plus beaucoup de vie à force avec ces conneries. Putain. On va essayer de l'avoir de manière fourbe. Voilà. Corse et jade. Merde en bois. Oh, putain. Et toi du matin. Bien sûr. On va peut-être se barrer parce que là j'ai plus beaucoup de vie et je parie que j'ai rien pour me soigner, effectivement. Vaut mieux se casser, hein. Les fourberies de Rifal, mais oui. Ah, et ça maintenant on peut le pousser. Magie. C'est beau. Ah oui, je me rappelle le boss à la con ici. C'était il y a longtemps maintenant.
Bon, du coup, je me dis, il faudrait peut-être que je m'arrête dans pas trop longtemps, parce que ça va faire 2 heures, hein, déjà. Mais bon, dans un autre sens, moi, la semaine prochaine, je suis pas là. Parce que c'est mon anniversaire dans une semaine, incroyable. Donc, dimanche prochain, moi, je stream pas, hein. Donc, à la limite, en bonus, on va un petit peu continuer. Pas trop non plus, hein, mais... Regarde d'abord la map pour savoir où je suis. T'as réussi à rattraper pas mal. À rattraper quoi? Oh putain la vache, comment on pousse le bloc! Boum! Putain la vache, c'est mieux hein! C'est pratique. Merde, je suis pas allé du tout au bon endroit. Attends, j'ai combien de pognon par contre? 17 000. Ouais, on va aller à la boutique, hein. Ah, c'est ton pixel art, ok. Alors, acheter... De toute façon, il n'y a rien de nouveau, je crois pas. Carte château 2. Contient une partie des plans. Oui, j'ai déjà ça. Qu'il y avait des endroits où on n'était pas allé parce qu'on s'était trop fait défoncer. On va essayer d'aller partout, hein, de toute façon. Pas trop le choix. Ouais, j'ai un truc en haut. Pouvons-nous y aller? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'on peut y aller là. Ouais, mais avec elle. Ouais, non, laisse tomber. On peut pas. Les zombies pourris. Putain, j'ai les one shot eux, en fait. Ouais. Les gros chevaliers avec la hache. Tant mieux. Attends, là normalement je suis censé pouvoir y aller, je crois. Si je m'y prends pas comme un caca humain. Non ? Oui.
Alors, il y a quoi comme endroit que j'ai pas fait ici Ah oui, là il y avait un bloc pourri qu'on n'arrivait pas à pousser. Ok. Ça maintenant on peut faire, ok, good. Voilà. Nébuleuse. C'est une arme. Ah bah salut DB. Comment ça va? Bon du coup on va peut-être pas stopper tout de suite. Donc DB, pour te situer ce qu'on a fait, on a fini le monde du désert. Avec le boss Cléopâtre là, qui était très chiante parce qu'elle possédait Jonathan à chaque fois, donc fallait switch de perso. Là du coup je suis de retour dans le château principal et puis j'essaye de voir où est-ce que je peux aller. Nébuleuse, chaîne qui s'enroule autour du mal pour le détruire. 27 de dégâts. Alors que ce que j'ai c'est 29. On va voir. Oh putain! La portée. Oui, je suis mort plein de fois aussi avec des maudits cailloux, hein, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est normal. Putain, alors par contre, là, la portée qu'il y a, quoi. Ça fait un poil moins mal, mais putain, la portée, ça vaut le coup, hein, j'ai envie de dire. Ouah, et en plus, c'est téléguidé. Ok, elle est trop bien, cette arme. Ouah, putain! Je valide cette arme! Hé! Hey, lance pas des trucs bombés, toi! Bien! On est de retour ici, du coup... Pascal OP, il est toujours OP. J'ai arrêté mes conneries parce que sinon. Il y a le chef qui est là, il va se dire oula, il parle de Pascal OP, qu'est-ce que c'est de ça? Il dérape complètement. Vous êtes qui vous? C'est la Gangsta Family! Ici. Oh, un nouveau château. Eh ben super. Je vais juste continuer un petit peu à explorer les endroits. Hein. Mais ils servent à rien, la Gangsta Family. Tu viens de prendre Minecraft Switch. Ah ouais. On va voir ce que ça vaut, hein, écoute. Ok, ça c'est une TP. Bon, du coup, vous voulez qu'on explore le nouveau monde ou qu'on continue un petit peu dans ce château? On a fait Shovel Knight en coop. Continue d'explorer le monde. D'explorer le château. Ah, c'est vrai que Shovel Knight, le mode coop, j'ai pas trop tenté. J'avais juste fait viteuf comme ça pour le test, hein, pour le test que j'avais fait. T'as eu des problèmes de co bien relou. Ah là là. Bah écoute, bah rétro à la prochaine, hein.
On verra quand on se verra. À la prochaine. Continuez d'explorer, bah ok, si vous voulez. Ah bah oui, c'est vrai, Minecraft, il y aura le crossplay. Bah c'est vrai que c'est cool, ça, quand même. Pas une bonne nouvelle. Dans Shovel Knight, les boss ont une barre de vie en plus. Ah oui, 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 exact. Ah d'accord, en fait, ici, à la save. Bah... je pensais qu'il y aurait un autre pan, bah du coup, on va aller au nouveau monde, hein, ma foi. Après, bon, c'est vrai que les modes coop dans les jeux de plateforme 2D, comme ça, c'est toujours un petit peu galère, hein. Tu peux pas faire des miracles, hein. C'est-à-dire que ce soit les Yoshi Woolly World, les New Super Mario Bros, les Rayman Legends, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. C'est marrant de jouer en coop, c'est sûr, mais c'est toujours un peu compliqué, tu vois, parce que faut qu'il y en a un qui arrive à suivre l'autre. Je trouve que les jeux de plateforme 2D, c'est pas vraiment des jeux pour être faits en coop, tu vois, c'est pas simple, quoi. Ouais, forcément, vous êtes morts de nombreuses fois, ouais. D'ailleurs, oui, DB, t'étais pas là au début, je disais que j'ai commencé à jouer à Blaster Master Zero, c'est un jeu qui est sorti au début de la Switch. C'est plutôt sympa, d'ailleurs, il y a un mode coop dedans aussi, il faudrait que je teste. Et peut-être que j'en ferai un test du coup pour GN, parce que le jeu il me plaît plutôt bien. Bon, on va commencer à gauche, tiens. Quel est ce monde étrange ? Ouais, c'est vrai que le coop de Rayman Legends était pas trop mal, je suis d'accord. Ouais. Le mode que j'adore faire dans Rayman Legends à chaque fois, c'est le foot. C'est complètement con, mais j'aime bien. Un épieu long, déjà, c'est de la merde. Ça a l'air un peu plus sinistre comme endroit. J'aimais bien le monde du désert, c'est dommage. Avec la fameuse musique qui énervait tout le monde. D'ailleurs, je me demande quand même qu'est-ce qu'ils vont rajouter comme une nouvelle feature dans la version Switch de Rayman Legends. Je sais pas trop qu'ils s'y peuvent rajouter. Ouais, on peut utiliser Murphy, mais... ah oui, Murphy, la bouche. Oui, 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 c'est vrai que ça, c'est très différent. D'ailleurs, oui, rien que pour ça, rien que l'utilisation du gamepad, ça rend la version Wii U supérieure, hein, de toute façon. Je trouve ça tellement dommage d'utiliser des boutons sur la version PlayStation et Xbox. Pour le coup, la version Wii U est vraiment cool. Merde. On peut les tuer, ça. Oh, il y a un pouvoir. Ah merde, il y a un mur. Putain, je l'ai pas vu. Mon golo. Non, tu m'as pas vu. Alors, grenade, explose une seconde après le retrait de la goupille, attribut de feu. Putain, un peu. Balancer des grenades dans Castlevania, quand même. À moins que ce soit la bombe de feu, bien sûr, hein, la fameuse. Un portage flemmard, tu penses? Mais je sais pas, ils avaient promis de nouvelles features, hein, donc... je sais pas, moi je dirais pas que ça serait exactement le même jeu. Alors après, ce sera peut-être des features à la con, on est d'accord, hein, mais bon. Ouais, des nouveaux défis en ligne, ouais, je sais pas. Ah bah oui, tu pourras pas faire comme avec le gamepad, hein. C'est pas exactement pareil, vu que t'as qu'un seul écran, on est d'accord. Grenade... on va tester Storm.
pas si c'est vraiment intéressant. Quoique pour balancer en contrebas, ça peut être bien. Mais bon, j'avais déjà la boule à la con là, pour ça. Enfin bon, de toute façon, dans tous les cas, étrange demeure pour une statue de la Vierge Marie. Ah oui, effectivement. Dans tous les cas, de toute façon, Rayman Legend sur Switch, bon... Ah, quand tu l'as déjà sur Wii U, il n'y a absolument aucun intérêt. Je pense qu'aucun de nous qui avons déjà le jeu sur Wii U ne le prendra par la suite, tu vois. Autant Mario Kart a un intérêt parce que tu retrouves tout le monde en ligne. Mario Kart, tu vois, là je vais l'avoir dans une semaine pour mon anniv. C'est intéressant de le reprendre parce que Mario Kart c'est un jeu qui se joue en ligne et... Oh, merde. Putain. Ça... Mais putain, ta race! Je vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver. Mais qu'est-ce que c'est que cette bite? Voilà. Oula. Un choix. Et putain, c'est la maison des pièges ici ou... Il est à l'envers, tout va bien. Oh la vache. Mais de toute façon, on fera jamais mieux que le second run de Symphony of the Night hein, à ce niveau-là. Ah cool, une save. Je pense que ceux qui connaissent savent très bien de quoi je parle. Attends, visiblement dans la salle de save, je peux continuer en haut. C'est ça que t'es en train de me dire. D'après la map, hein, oui. Attends, d'après la map, oui, je peux continuer en haut. Alors peut-être qu'il faudra retourner le stage en fait, c'est possible qu'il y ait un délire comme ça. Ah non, d'accord. Putain la vache, mais faut comprendre hein, que tu peux passer là. C'est un peu mal foutu. Putain, je suis perdu. Broche lune, ça me dit quelque chose, je crois que j'avais déjà. Lune. Non, je n'avais pas. Ça fait baisser de 2 la défense, mais de 5 la chance. Est-ce que ça vaut le coup, ça? De 5 la chance, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La chance, je suppose que ça te fait drop de meilleures choses. Bon, on va dire que non. Oh putain! Alors ça, contre ces cons-là qui courent partout, avoir le fouet téléguidé, c'est génial. Chance, c'est le drop d'item, ouais, c'est bien ce qui me semble. Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Je comprends rien. Je comprends rien, je comprends rien. D'accord. Putain. Qu'est-ce que c'est ce délire?
Genre c'est un ancien cirque, tu sais pas. Nous sommes dans un endroit très étrange. Hein, je... ouais, bon, on va compléter la partie en bas, pour être sûr. Ah, d'accord. Ok. Ça servait à rien. C'est pas grave, hein, on va remonter. Putain, va niquer ta mère. Un canon qui balance des fûts d'embûches, bah oui. Qui vont sur le côté, bah oui, mais... Il a l'air tout à fait normal ce jeu, dites-moi. Hein. Je préférais le monde du désert en fait, tu vois. Enfin, quoique je dis ça, je suis pas encore mort donc. Je vais pas non plus me plaindre. Loul. Bon, arrête d'être ébou, toi. Lui, à chaque fois, on dirait qu'il est complètement bourré. Le pauvre. Os crachat, allez. Tout est normal par ici. Ouais, bon. J'essaye de comprendre le fuck, hein, depuis tout à l'heure. Ouais, je crois qu'en fait, vaut mieux pas chercher à comprendre, hein. Visiblement. Bon, arrête d'être ébou, toi, le... D'accord, il est mort. Il est ivre mort. Je comprends mieux. Putain, elle est vraiment pratique, cette arme. C'est vraiment un bon move, hein. Oula. On va pas passer par là, c'est un peu dangereux. Soupe de maïs. Pourquoi pas. J'ai chaud la tête. Voilà. Ça va mieux. Ouh la vache. Il a failli me couper le cul. Cheatage complet, je n'ai pas honte. Qu'est-ce que tu fous là toi? T'as les mecs qui sont dans une autre dimension que moi. Quoi. À droite. Et passe-partout. Durion pourri. Ouvre un monde entièrement nouveau d'odeur déplaisante. Ouais. Je comprends parfaitement. Un endroit de TP, bon, sauf que ça sert à rien, on a qu'un seul. Voilà, maintenant on est à l'Enverland. Oui. Ok,
c'est n'importe quoi. Let's play. C'est vrai que quelque part c'est un let's play hein, que je fais. J'ai pas honte. Oh putain. Jeu de jambes. Non, je suis bloqué. Alors, volcan, invoquant un volcan en éruption. Ça peut être intéressant ça. Je peux pas y aller, cet endroit de pouille là. Oh, merde. Bah non. Tant pis, hein. Tiens, on va essayer. Ok. Putain, ça me dit toujours pas quel est le fuck, hein, mais... Botte à pointe. Surtout pas, c'est de la merde. Ça servait à rien. Je suis très perturbé par cet endroit, hein, je vous le dis. Je ne comprends pas tout. Tonique, c'est gros tonique. Ok.
pas s'énerver. Mais putain, il y a des endroits par contre tu vois pas où est, tu vois pas trop où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'on peut pas, c'est un peu mal foutu je trouve. 2000 de pognon. Ça roule. J'ai l'impression de me faire un peu bolosser hein, tout à l'heure. Allez, mais... Ok, merci. Une save. Bon. Non, c'est déjà ça. Je vais retourner un peu en haut. Changement d'écran, mais ça c'est un peu chiant. Va te faire. Ok, en fait il y avait rien ici. Mais voilà, mais t'es obligé de te faire toucher là. Putain! Allez, c'est bon. Ah, on a un objet intéressant. PV Max. Ah oui. Ah oui, ça c'est bien. Allez, je m'en fous. De toute façon, je retourne là. Allez. Bien. PM Max plus. Excellent. Alors en fait ici c'est un niveau qui est très vertical, vous voyez.
Oh non, putain, les Mantus. Les ennemis qui pop à l'infini, j'adore ça. Oh la vache. Putain, c'est cryptique, hein, comme endroit. De ce rouage chelou. Moyen d'avoir. Ok, d'accord, je vois. Je vois parfaitement. J'aimerais bien ton épée en feu à toi. Tu veux bien me la prêter ? PV Max Plus, putain c'est excellent hein. Putain. J'adore quand ça m'arrive. Ah ouais, non mais les têtes des méduses, c'est vraiment le truc le plus relou au monde dans les Castlevania, mais vraiment. Bon bah écoutez, vous savez quoi, je vais aller save. Et on va s'arrêter là hein. C'est pas mal, on a fait un peu plus de 2h30. 2h40 même. Du coup, voyons la map. Ouais, j'ai déjà exploré une bonne partie. Visiblement, le but, ce sera d'aller au centre, hein, certainement. Il y aura certainement un truc. On verra ça, je ne sais pas quand. Donc, comme je vous ai dit, moi, dimanche prochain, je suis pas là. Enfin, tout le week-end prochain, de toute façon, je suis pas là. Enfin, je suis là, mais j'ai des trucs de prévu, quoi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera ça, quand est-ce qu'on reprendra Castlevania, on verra bien. En attendant, bah, il y aura donc le Nintendo Talk Show vendredi prochain, bien entendu. Et visiblement Roxas fera son live vendredi après aussi, hein, sur un jeu inconnu, donc je vous invite bien sûr à voir de quoi il en retournera. Et moi en attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine !